Paris 1842. À la recherche d'une inspiration perdue, Eugène Sue, un jeune feuilletoniste à succès, s'aventure une nuit dans les bas-fonds de la capitale, déguisé en ouvrier. À quelques rues des beaux quartiers, il découvre, ébahi, le monde baroque et hanté de la pauvreté et du crime. Il s'attaque alors à la rédaction quotidienne des Mystères de Paris. Et soudain, sa vie même devient le plus palpitant des romans feuilletons. Les Mystères de Paris sont un best-seller phénoménal qui bouleverse la France entière, de l'ouvrier au ministre. Il se transforme aussi en une vertigineuse expérience littéraire où sans cesse la réalité se mélange à la fiction. Ils donneront naissance au roman feuilleton, ce genre addictif qui s'invente plus d'un siècle avant les séries télé. Mais un autre miracle se produit. Ce qui au départ était un pur divertissement se métamorphose jour après jour en un témoignage ardent sur la dure condition du peuple. Les épisodes du feuilleton propagent alors un cri de révolte quotidien, allant jusqu'à faire se dresser les barricades de la Révolution de 1848. Au jour le jour, Paul Vacca, aux éditions Bellefond.